Bon, déjà on va servir les mains. Voilà, on va prendre 300 g de champignons, des champignons de Paris. On va les laver un peu parce que des fois il y a un peu de terre dessus. Voilà. De là, il n'y a pas de terre, on va mettre ça là-dedans. Les champignons en rondelles. Là j'ai deux sortes de champignons, mais prenez les champignons de Paris, ça fera l'affaire.
on va faire un peu de riz. Levez ça. Levez ça. Il faut mettre à peu près 300 g de riz. Un petit peu. On va nettoyer le riz. On va nettoyer le riz, enlever un peu l'amidon qu'il y a sur le riz. Ça devient un peu blanc. Il faut nettoyer jusqu'à quand tu touilles, faut que l'eau devienne claire, pour que ça devienne blanc, faut continuer. Voilà, je pense que là c'est bon. Voilà. Le riz dans le rice cooker. Brancher le rice cooker évidemment. Mets un trempé de sel dans le riz. Et c'est cooké. Voilà, on va mettre de l'eau à bouillir. On va mettre de l'eau à bouillir. Un litre d'eau, c'est bien.
même en mettre un peu plus. Voilà. Un litre d'eau jusqu'à... Un litre d'eau, c'est bien. Voilà. Allumer. Voilà. Et là, à bouillir. On va faire... allumer notre plaque. On va faire des émincés de porc. Et si vous êtes musulman ou juif, ouais, prenez du poulet, un morceau de poulet ou de bœuf, ça va aussi. Voilà. Voilà. Un peu d'huile d'olive. Mettre un peu d'ail dans l'ail écrasé dans l'ail. Deux cuillères à soupe, c'est bien. D'ail dans l'ail écrasé. Deux cuillères à soupe d'ail écrasé. Voilà. Je vais saisir les émanciers de porc. Voilà, comme j'ai dit, hein, si vous êtes musulman ou juif, vous ne pouvez pas manger de porc, peut-être avec des émincés de bœuf ou de poulet. Faire saisir la viande.
bouille. Alors, genre 500 grammes d'haricots verts. Là, il faut mettre 300 grammes de champignons coupés en morceaux, en rondelles. Et on ajoute les émincés de porc dans la casserole. Il y a 600 grammes d'émincés de porc. Voilà. Un peu le tout mélanger, touiller un peu que ça se mélange. On a du curry. Voilà, on a du curry. Je mets un peu de curry doux et un peu de curry plus fort. Attends, il faut laisser cuire pendant une demi-heure, 45 minutes. Minimum une demi-heure et maximum 45 minutes. Voilà. Ah, ça cuit bien là. Peut-être baisser le feu. Moi, je suis en 9 là, je vais peut-être mettre sur plutôt. Pas celui-là. Plutôt sur 7. Saler un peu, voilà. On va saler un peu. J'avais oublié de faire avant. Voilà. On va touiller, on va touiller.
Oui, j'ai oublié de vous dire. Ajoutez un peu d'ail aussi là-dedans. Une bonne cuillère à soupe. Voilà. Tu mets ça et tu touilles. Comme j'ai dit, il faut que ça cuise une demi-heure minimum et pas plus de 45 minutes. Donc voilà. Bon, voilà, c'est prêt. Je vais vous montrer comment on sert le plat. Voilà. Un peu de riz. Ça, une louche ou et tu mets sur le riz. Voilà, voilà l'assiette. Voilà. Alors voilà, bon, là les quantités c'est pour 6 personnes et voilà. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit like et abonnez-vous à ma chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Voilà.